Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans mon atelier pour apprendre à faire une bague en argent 925. On va apprendre dans cette vidéo à braser, à mettre en forme une bague et on va utiliser un outil qui est le dé à emboutir. Le dé à emboutir, c'est ce petit cube avec différents diamètres de demi-sphères. Vous les voyez ici. Sur ce cube, il y en a 17. On utilise le dé à emboutir pour bomber des plaques en métal pour obtenir des formes en creux. Donc il s'utilise avec des bouterolles et un marteau ou un maillet. Donc les extrémités des bouterolles que je vous montre, donc ça c'est une bouterolle. Donc les extrémités des bouterolles sont arrondies et permettent en fait de mettre en forme dans les cavités des trous du dé à emboutir. Donc il y a différentes tailles de bouterolles que l'on adapte à chaque fois au projet que l'on veut faire. Sachez qu'il est possible d'utiliser les bouterolles pour marteler une plaque, donc ça, le rendu est plutôt sympa, donc on peut détourner un petit peu les bouterolles de leur utilité première pour faire du martelage. Petite astuce pour atténuer le bruit de frappe, il vous suffit de mettre en fait sous le dé à emboutir un petit tas de cuir, vous pouvez en mettre plusieurs petits bouts de cuir et ça atténuera le bruit. Vous pouvez le faire aussi avec le tas de bijoutiers. Petite chose à savoir, lorsque vous allez recevoir le dé à emboutir, il sera plein d'huile, il sera graisseux. C'est tout à fait normal, ce n'est pas un problème qualité ou un défaut de l'outil, c'est pour éviter que ça rouille pendant le transport. C'est tout à fait normal de recevoir le dé avec de l'huile et de la graisse. Il suffit d'utiliser un torchon propre et de l'enlever, voilà, tout simplement. C'est parti, on va commencer la bague en argent 925. Si vous avez les cheveux longs, il est important d'attacher ses cheveux quand on fait de la soudure. Donc, hop. Voilà. Pour commencer, on va utiliser donc une plaque en métal de 0,8 mm. On va la recuire. Donc ici, je l'ai déjà recuite. On a fait une vidéo qui vous explique comment recuire. On vous met tous les détails dans la bio. Une fois que la plaque est recuite, on va tracer le motif que l'on veut faire. Et ensuite, on va venir le découper avec le bocfil. Hop, je vous remontre la bague que l'on va faire. Donc ce sont ces petites bagues. Donc ce sont ces petits motifs que l'on va venir découper dans la plaque. Donc pour cette bague, j'ai choisi de faire des petites pétales de forme irrégulière. Donc ça amène un petit côté brut à la bague et un petit côté poétique que j'aime bien. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Ici, on va découper dans la plaque des formes irrégulières, en fait, tout simplement. Avec le compas, je viens tracer des cercles. Alors, comme vous avez pu le voir sur la bague, c'est au pif. C'est vraiment aléatoire. Donc, du coup, là, je vais faire une forme, voilà, une forme arrondie que je viendrai découper ensuite au bocfil. Donc, avec le compas, on vient tracer plusieurs cercles. Donc, des cercles plus ou moins gros. Donc là, hop, je vais en faire un plus petit. Donc pour la découpe au goldfield, c'est important de suivre les traits. Ici, j'ai voulu vraiment faire un côté irrégulier et brut. Donc si je dépasse ou si je ne suis pas vraiment le trait, c'est voulu. Une fois que vous avez découpé vos cercles irrégulier, on vient recuire ces petits cercles. Pour recuire, vous pouvez très bien utiliser ce chalumeau, ça fonctionne très bien. Laissez refroidir sur un tas de bijoutiers. Donc, on va utiliser le dé à emboutir pour mettre en forme nos petites pétales. Je viens placer des bouts de cuir pour atténuer le bruit, en fait, quand je vais venir emboutir. Je prends le trou qui est le plus adapté à mon projet. Donc, on les place dans le dé à emboutir pour leur donner une forme de creux. Donc, je les place ici. Chaque trou a un diamètre différent et je viens à chaque fois
emboutir ma pièce pour lui donner une forme un peu plus creuse. Donc je prends une bouterolle avec un diamètre plus grand que ma pièce. Et hop. Et je viens emboutir. Donc là, je commence à avoir une forme un peu en creux. Et donc, je vais continuer en diminuant mon diamètre à chaque fois. Voilà. Hop. Donc, pour ce projet, ça suffit, mais vous pouvez encore aller au-delà et le faire encore un peu plus creux. Donc une fois que vous avez embouti vos petits éléments, il est possible de venir limer les bords. Mais ici, je choisis de garder le côté brut, donc je ne vais pas les limer. Donc je vais utiliser la seringue de brasure d'argent, très pratique pour ce genre de projet. Je viens déposer de la brasure sur la pétale, que je viens positionner sur la pétale de base. C'est celle-ci, ma pétale de base. Hop. Et je viens hop, la caler. Je fais de même avec la troisième, que je vais venir positionner ici. On vient braser tous les petits éléments, on le laisse refroidir sur un tas de bijoutiers et on va ensuite le mettre dans un dérocher. On vous a fait une vidéo pour vous montrer comment faire un dérocher. Il est très important d'avoir une hotte sous votre dérocher. Hop. En attendant, on va faire le corps de bague. Donc on va utiliser un fil rond de diamètre 1,2 mm. On va couper la longueur dont on a besoin pour faire le corps de bague. Pour connaître la longueur du fil à utiliser pour notre corps de bague, il y a une formule très précise. Donc je vais vous la donner et on vous la remettra dans la description. Donc la formule, c'est diamètre intérieur plus épaisseur du métal, le total multiplié par pi, donc 3,14. Il y a aussi une autre formule un peu moins précise mais qui fonctionne aussi. Ça marche très bien. C'est la longueur de la circonférence intérieure plus deux fois l'épaisseur du métal. Donc par exemple, ici, je veux faire une bague taille 52. Donc le diamètre intérieur pour une taille 52, c'est 16,56. On peut trouver facilement des tableaux sur Internet. On ajoute ensuite 1,2, donc le diamètre du fil, et on le multiplie par le résultat, donc par 3,14. Et donc le total est de 57,7 exactement. Avec la formule qui est un petit peu moins précise, donc on est à 52 plus deux fois l'épaisseur du diamètre. Donc 52 plus deux fois 1,2. Donc on est à 54,4 mm, 55 mm en gros. Donc je viens découper. Alors vous pouvez le faire soit avec la règle, et donc vous vous placez ici, je suis à 55,5 par exemple, c'est un peu moins précis. Pour être plus précise, vous pouvez utiliser le pied à coulisse. Donc là, je me mets à 55,7 et on le bloque. Et vous reportez le résultat sur votre fil. Hop. Voilà, je suis là. On vient ensuite découper au box fil. On va limer les bouts. On lime les extrémités à plat. Voilà. On vient ensuite recuire le fil puisqu'on va le mettre en forme par la suite. On peut utiliser un maillet pour venir lui donner la forme arrondie. Il faut que les extrémités soient bord à bord. Donc comme j'ai recuit le fil, il est un petit peu souple et plus facile à travailler. Voilà, donc là ça sera bon.
Donc quand ça vous paraît bien, on peut souder. Il ne faut pas en mettre trop. Hein. Donc on vient chauffer la bague entière. Et ensuite, on vient concentrer la chaleur sur la soudure. Voilà. On le pose sur un tas de bijoutiers et on le met ensuite au dérocher. Là, on récupère nos petites pétales de fleurs. Je les rince dans un petit bocal d'eau et du bicarbonate. Le bicarbonate va permettre de nettoyer correctement la pièce. Et je viens le rincer avec un autre bocal où il n'y a que de l'eau. Donc, une fois que vous avez récupéré la bague de votre dérocher, on va venir la mettre en forme sur un triboulet. On va venir ensuite la mettre à plat en se servant d'un tas de bijoutiers. Donc là, ensuite, on vient limer pour enlever l'excédent de brasure. Voilà. On vient ensuite émeriser l'anneau avec un cabron émeri que je me suis fabriqué. Ça, pareil, on a une vidéo. On vous la mettra dans la description. Là ensuite, la prochaine étape est de venir souder le petit motif sur l'anneau. Donc l'idéal, c'est vraiment de polir en fait cette bague, de venir faire l'émerisage et le polissage sur la bague, de faire pareil sur le petit élément, l'émerisage de ce côté-là. Comme ça, quand je vais venir les souder ensemble, ce sera déjà poli et propre. Sinon, c'est beaucoup plus compliqué. Quand ça sera soudé ici, je vais m'embêter pour venir polir correctement ce petit élément. Donc je viens l'émeriser et le polir. Après, donc on croise bien hop, les traits. Pour polir, vous pouvez utiliser un petit bout de cuir pour éviter de vous brûler, en fait, parce que le métal va vraiment chauffer. Sinon, il existe aussi des doigtiers en cuir, peut-être plus pratique qu'un petit bout de cuir. Et ça va vous permettre de pas vous brûler les doigts. Donc très important. On va venir souder le corps de bague sur la petite coquille. Donc je vais venir me faire une petite marque pour me repérer, pour savoir où je dois souder. Alors je vais venir souder à l'opposé de l'endroit où j'ai déjà soudé. On va éviter de fragiliser en fait cette soudure. Donc ici on voit que ma petite coquille elle est pas droite, donc je vais pencher le corps de bague pour que ce soit bien droit. On peut se servir de la troisième main, ça peut être très pratique pour positionner correctement un petit élément. Voilà, donc j'ai positionné mon corps de bague sur mes pétales. Donc je viens mettre de la soudure à ce niveau-là. Voilà, donc hop, ici. Donc une fois que j'ai positionné ma brasure, je vais venir souder l'ensemble de la bague et ensuite je vais me concentrer
à ce niveau-là, derrière, pour que la soudure coule dans le bon sens. Donc je viens chauffer l'ensemble de ma pièce. Et ensuite, je viens me concentrer sur la brasure de l'anneau. Voilà. Hop. Et là, je la vois couler. Et hop, je m'arrête. Donc là, je peux la mettre au dérocher. Sur ce modèle, j'ai fait des petites boules en argent. C'est très très facile à faire, très simple. Il suffit de prendre un petit morceau d'argent, vraiment une chute, par exemple. Donc selon la taille des billes que vous souhaitez faire, on prend plus ou moins gros. On chauffe. Et voilà. Donc là, on a fait des petites billes. Il suffit de les souder ensuite au centre de vos pétales. Une fois passé au dérocher, il ne vous reste plus qu'à émeriser et polir votre bague. Alors vous pouvez choisir, comme dans ces deux exemples, de faire un poli un peu plus brillant au centre comme ici, ou ici c'est volontaire, c'est moins poli, c'est un poli mat. Voilà, il n'y a pas ce côté brillant. Donc c'est un parti pris, c'est à vous de décider ce que vous préférez. Donc pour atteindre les petits endroits un petit peu difficiles qui sont en creux, vous pouvez utiliser des petites meulettes coniques comme ceci. Vous pouvez, hop, en vous servant de la lime, il est possible de la tailler. Voilà. Donc là on peut la tailler en pointe. Pensez toujours à nettoyer votre lime ensuite. Et donc là, je vais pouvoir venir atteindre des petits endroits difficiles d'accès. Et voilà votre bague terminée. Voilà les trois petites bagues, très faciles à faire. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour voir d'autres vidéos. Passez une bonne journée et à bientôt !